Donc, petite vidéo d'introduction sur ce qu'est le STEP. Bienvenue à Top Fit Antibes. Donc, je vous explique un petit peu rapidement. Le principe du STEP, c'est ce que j'ai juste devant moi. D'accord ? C'est une petite marche. Alors, il existe différentes hauteurs. Le principe, c'est un cours chorégraphié. Alors, j'explique ce que c'est que la chorégraphie. C'est simplement un enchaînement de mouvements fait avec les jambes, des fois avec les bras. Vous verrez qu'en fonction des niveaux, vous allez avoir plusieurs niveaux dans le club. Vous avez trois niveaux, les débutants, intermédiaires et avancés. Donc, vous aurez tout ça dans le planning. Ici, aujourd'hui, donc, je vais vous proposer un cours débutant et je vais vous montrer qu'avec deux, trois petites choses, ça peut rendre le cours intéressant ou le cours un peu plus compliqué. Comme quoi, la limite entre l'intermédiaire et le débutant, il est assez mince. Mais vous allez voir qu'avec de la pratique, on y arrive sans problème. Alors, vous pouvez essayer ça chez vous. C'est un tout petit cours, ça ne dure pas très longtemps. Le but, encore une fois, c'est que vous fassiez pas mal. Donc, si à côté de vous, il y a des animaux, des chaises, des tables, vous poussez un peu tout ça et normalement, on devra arriver à faire quelque chose ensemble. N'hésitez pas, même si vous n'avez pas de step, ce n'est pas grave. Le tout, c'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est surtout la mécanique qui est importante. OK ? Alors, je mets un petit peu de musique. Je n'ai même pas besoin de me déplacer. Vive la technologie. Normalement, vous devriez quand même m'entendre. Hein ? Alors, on va commencer en marchant avec le pied droit. Le pied droit, c'est celui-là. D'accord, hein ? Ouais, c'est pour être sûr. On resserre un petit peu les pieds. On tape pied droit et on tape pied gauche. Ça, c'est la première chose à comprendre dans un cours de step. C'est la distance entre votre corps et l'objet. Juste avec la pointe de pied. On a la bonne distance. On va juste ouvrir un peu les pieds et passer en diagonale. Musique. Alors, on n'est pas obligé de danser. Hein. On peut faire des choses vraiment très strictes. Et quand même, ça doit rester un cours fun. Donc, honnêtement, moi, je vous engage à essayer de vous libérer un peu et de vous abuser. On va donner double tape sur le pied droit. Même chose à gauche. Quand on double tape, il faut bien transférer le poids d'un côté et de l'autre pour avoir la possibilité de bouger la jambe ici qui est mobile sans aucun problème. Double tape, le deuxième est derrière. 1, 2, 3. Droite, droite, droite. Gauche, gauche, gauche. Trois de chaque. On fait juste la même chose. On lève le pied du sol ici, talon-fesse. Droite et gauche. Encore une fois de chaque. Ok, on va rester marcher avec le pied droit. Marcher. Juste pour le tempo. La suite, le mambo pied droit. Quatre marchés. Un temps sur le step. Le pied, il est entier et bien à plat sur le step. Légèrement en diagonale. Pied droit. Aussi bien sur le step qu'au sol, le pied il est à plat pour ne pas trop travailler sur les tendons du mollet. Double stomp, on a fait deux fois, il y en a quatre marchés supplémentaires. Alors en step, c'est comme ça que ça fonctionne. On a 8 temps où il se passe des choses. 5, 6, 7, 8. Une fois que j'ai fait double, je fais simple à gauche et ça fait 8 temps. Écoute la musique. Encore, double droite et un seul gauche. Tout ça, c'est une boucle de 8 temps. Ok, écoutez bien. Double droite, double gauche, marchez. Ce ne sont que des marchés, tout ça. Hein. Pour être sûr, ça fait bien. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ça ne s'arrête jamais. C'est plus dur à dire qu'à faire, croyez-moi. Doublez, doublez. Est-ce qu'on peut rajouter un de chaque? Et on met en boucle. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. Doublez. Doublez. Un seul. Alors écoutez bien. Doublez. Un seul. Maintenant, c'est la même chose. Et on finit par le doubler. On revient sur l'étape. Droite et gauche. Stop. Alors si vous êtes parti comme ça, c'est normal. Je vous ai habitué à mettre le poids du corps vraiment sur le step. Là, on revient sur l'étape du début. Et la spécificité du tap, c'est que le poids du corps n'est pas sur le step, il doit rester au sol. On revient en diagonale. Écoutez la musique. Encore un peu de. Là, il n'y en a pas. Double tap sur le pied droit, doublé. On l'a déjà fait ça, on l'a vu dans l'échauffement. On est d'accord? Normalement, on doit commencer à se réchauffer carrément. Hein. Il faut retenir tout ce qu'on a vu, c'est important. Ici, je vous propose. Au lieu de faire un double tap, on fait ce que l'on appelle un tap-up, monter sur le step. Monte, touche, grimpe et touche. À partir du moment où vous mettez le poids du corps sur le step, que ce soit en marché ou en tap-up, vous devez avoir le pied entier et à plat pour sécuriser votre appui. On lève le genou. Alors il faut le monter un petit peu le genou parce que le principe du cours, il faut que ce soit un petit peu cardio. C'est pas super intense, quoique dès qu'on arrive sur les cours,
un petit peu plus avancé, ça devient très vite physique. Et ici, je vous promets que même sur un cours débutant, on peut transpirer bien comme il faut. Hein. Ça, c'est une certitude. Et ça va dépendre un petit peu de votre niveau d'exécution, si vous êtes à l'aise ou si vous ne l'êtes pas, tout simplement. Donnez-moi 3 genoux répétitions ici. Et 3 de l'autre côté. On vous donne beaucoup d'indications avec les mains, hein, c'est logique. 3 genoux toujours, 3 genoux. On va faire plus qu'un genou et démarcher, c'est normal. Un genou, stop. 5, 6, 7, 8. Toujours nos tranches de 8 ans. Hein. 1, 2. Alors reculez pas trop. Moi j'ai l'habitude, mais reculez pas trop du step pour ceux qui ont un step. Hein. Et je rajoute un petit basique. Le basique, c'est le pied du genou. De marcher en haut, de marcher en bas. Si c'est genou gauche, c'est basique pied gauche. Si c'est genou droit, c'est basique pied droit. Est-ce qu'on peut grandir un peu tout ça? De l'autre côté, toujours le pied bien à plat et entier sur le step. Regardez bien. Au début, c'est vrai qu'on regarde un petit peu ses pieds pour être sûr. Mais plus ça va aller, plus ça va rentrer dans votre schéma corporel et ça va être facile comme tout. Faites-moi confiance. Donc ça, c'est un genou et un basique. Tout ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a fait au début avec les mambos? Le double stomp, un seul et double. On y va. Doublé, vous ne faites pas avoir. Un seul, doublé. Le genou et le basique, on vient de le faire. Genou et basique. On est déjà en train de faire de la chorégraphie, les chéris. Hein. Pensez-y. Double stomp, on appuie. Deux, un seul, et doublé. Donnez-moi des tap-up, pas de genou, pas de basique. Tap-up, c'est ça. Après, vous allez voir que souvent, on rajoute des claps pour donner du fun, mais ici, on ne le fera pas. Double stomp. Mambo, mambo. Double stomp. Tap-up alterné. Pas de clap. Pas de clap. Par contre, on touche bien le step avec le bord du pied. Double stomp. Regarde. Ouh là là, c'est différent. Pas comme ça. Pas comme ça. Double appui ici et je décale le pied. Tap-up. Touche. Donc ici, on a un mouvement latéral, diagonale, diagonale et encore latéral. On y va. Mambo, mambo. Est-ce qu'on peut remettre genou basique? Oui. Alors on y va. Écoute la musique. C'est la même chose, c'est l'intensité qui change. Latéral. Qu'est-ce qu'on fait? C'est l'intensité qui change, c'est l'énergie. Qui dit énergie dit dépense calorique. Hein. Latéral. Je peux même mettre celui-là au sol parce que je fais ce que je veux. Genou et basique. Encore une fois. On est d'accord. Latéral, venez avec moi. Mambo step. Celui-là, il est au sol. Latéral. Genou et basique. Regarde bien. Genou et basique. Regarde ce que je fais. Donnez-moi des tapeurs. Figez. Ok. Le dernier genou, t'arrêtes pas. Moi, je m'arrête pour me rapprocher, pour t'expliquer. Mais toi, tu dois toujours être là en tap-up pendant que je t'explique des choses. Ça, c'est important. Ça permet que le cardio, il reste toujours actif. Très important. Donc ici, j'ai mis le mambo, d'accord? Ici, le croisé, le mambo, il est au sol. De l'autre côté, ce sera le genou, l'appui du genou qui est au sol. Au lieu d'être sur le step et genou, ça sera sol et genou. Ok? Je te récupère sur le tap-up, tranquille. On attend juste la prochaine chanson. Prochaine chanson que tu connais, je suis sûr. Si, je suis sûr. J'espère. Sinon, c'est que tu vis dans une grotte depuis quelques années. Alors, on y va. Latéral. Hey! Mambo step. Mambo sol, pied droit. Latéral. Genou et basique. Tu te souviens? Le pied d'appui du genou, c'est le pied gauche. Gauche au sol, genou. Et le basique. Top up. Tu la connais ou pas? Normalement, oui. Hein. Ah, tu vois pas, mais j'ai du public en plus. Début latéral. Hey! Mambo. Au sol. Latéral. Genou. Basique. Au sol. Basique. Top up. Ok, tu as vu l'effet que j'ai mis sur mon dernier pas? Alors, c'est très simple à faire. Hein. C'est exactement la même chose. C'est une variation, c'est-à-dire qu'on varie un pas pour arriver sur un autre. Et on donne un petit effet de style. Écoutez-moi, donnez-moi le basique pied droit. Vous vous souvenez?
quatre marchés, deux marchés en haut, deux marchés en bas, pied droit, à plat et entier. Je pose bien droite et gauche derrière. Je remplace une seule fois, droite-gauche, stop. Nos tranches de 8 ans. 1, 2, droite-gauche, je pose droite, je remplace par le pied gauche et je pousse le pied droit. 1, 2, tombez pas, il n'y a pas besoin de monter la jambe. Et j'ai juste une petite propulsion, on soulage le poids. Alors quand je dis le poids, c'est juste le poids corporel. Hein. Vous ne sentez pas agressé quand je dis ça, moi aussi je soulève mon poids. Pose, lift. On pourrait même rajouter même bras, même jambe. Et ce bras-là, il balaye devant. Pousse. Ça y est, on danse, hein. Ça y est, on fait de la chorégraphie. Comme quoi, ça ne fait pas grand-chose. Tu te souviens le début? Latéral, venez avec moi. En beau step. Au sol. Latéral. Le genou, le basique, souviens-toi. Tranquillement. Au sol. C'est bien le pied droit et c'est lui qui dégage. Les bras. Top up. Ok. Voilà les chéris, c'était juste un petit bout de ce qu'on peut faire. Alors bien évidemment, on peut tout complexifier au maximum. On peut aller très très loin dans la complexité. Faites-vous plaisir. Surtout qu'il y a de la bonne musique à chaque fois dans tous les cours. Bienvenue à Top Fit. Amusez-vous bien. Vous pouvez refaire ça tant que vous voulez, il n'y a aucun problème, ça vous fait un petit entraînement. En même temps, vous voyez un peu la gymnastique, comment ça fonctionne. En tout cas, venez nous rejoindre, on passera des super moments. À très bientôt, passez une bonne journée.